Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de slap. On va commencer avec la main droite, avec laquelle on va littéralement slap les cordes en utilisant notre pouce. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui passent à travers les cordes, et il y a ceux qui tapent par-dessus la corde. La deuxième étape, ce sera le tiré de corde qui suit le slap initial et qui utilisera l'un des doigts restants. Pour réaliser le tiré de corde, c'est bien simple, on va mettre notre doigt en crochet, l'accrocher en dessous de la corde et la claquer contre les frettes. On passe maintenant à la main gauche. Généralement, le slap va incorporer pas mal de hammer-on et de pull-off, c'est-à-dire qu'on va jouer des notes en utilisant l'action des doigts de la main gauche. Le plus important en slap, ça va être d'étouffer les cordes que je ne joue pas. Une fois que tu es à l'aise avec ces concepts, on peut commencer à combiner le tout et rajouter ce qu'on appelle des ghost notes, c'est-à-dire des bruits.